Je me présente, je m'appelle Pierre Joncheret, j'ai 28 ans, je fais de l'athlétisme depuis 2001, essentiellement du demi-fond, 5 000 mètres, 10 000 mètres, marathon. J'ai été 7 fois sélectionné en équipe de France, j'ai fait champion d'Europe par équipe en 2007, j'ai participé sur 5 000 mètres à l'occasion de cet événement. Donc au niveau professionnel, j'ai fait un bac plus 4, donc j'ai fait un bac scientifique et un bac plus 4 à l'ISEG. Donc l'ISEG, c'est l'Institut supérieur européen de gestion qui est basé à Strasbourg. Et donc depuis 2007, j'ai signé un contrat en tant que sportif de haut niveau à l'armée de terre. Donc je suis sportif de haut niveau de la défense au 7e bataillon de chasseurs alpins à Bourg-Saint-Maurice. Donc Agisport, j'en ai entendu parler en lisant les DNA. En fait, il y avait on peut appeler ça une publicité pour Agisport, pour présenter le principe d'Agisport. Donc ça m'a semblé intéressant. Et après, j'en ai parlé avec Roland Ponceau, qui est mon président de club. Donc on a monté un dossier, on a envoyé une candidature à Agisport. Bah, je pense que le sportif doit se concentrer sur sa carrière, mais doit aussi penser à l'après-carrière. Donc Agisport permet par son réseau d'entreprises, de préparer la reconversion, chose qui est très importante parce que bon, je suis bien placé pour le savoir, une carrière est assez éphémère, une blessure ou divers problèmes peuvent rapidement entraver la progression et rester à haut niveau, quoi. Donc, il me semble judicieux de penser à l'après-carrière. Bah, pour le moment, comme vous le savez, Agisport, on est à ses débuts, donc c'est surtout un soutien par, comme je l'ai dit précédemment, un réseau d'entreprises. Ça permet de se lancer dans un projet, que ce soit par exemple pour mon cas, peut-être terminer mes études, comme j'ai fait un bac plus 4, s'orienter vers un bac plus 5 et directement après intégrement du travail. C'est un soutien qui est différent du soutien qu'on a habituellement, qui est financier par le biais des sponsors ou par le biais des subventions du conseil régional. Donc ça permet d'envisager la précarité plus sereinement. Bah, c'est surtout je pense, un réseau important d'entreprises et de connaissances. Donc c'est pas forcément valorisé par de l'argent, mais c'est tout aussi important, je pense, de connaître des gens et de s'intégrer dans le monde du travail plus aisément. C'est vrai que d'habitude on fonctionne par le biais des sponsors ou des subventions, ou même des primes qu'on peut avoir sur les courses. Donc ça, c'est un aspect financier qui n'est pas négligeable, mais ça prépare pas un après-carrière et ça prépare pas une reconversion après le sport. Donc je pense que c'est surtout là le point fort d'Agisport.